ses voyages au centre de la Terre, à Bouzik. C'est là dans les bouzikas. On va passer à côté d'endroit. Il y a quand même un petit trou. C'est une espèce de marmite là. On va avancer. Et après, on retourne. Là, c'est super. Ce matin, on a regardé sur l'heure. T'as vu? Ouais, c'est beau là. Ah ouais. T'as vu, il s'est détaché de la paroi. Ah ouais. Tombé. Et après la rivière, dessus elle a corrodé encore. Ouais, ouais. C'est bon, moi. Monte avec ta GoPro et ta lampe. C'est super simple, tu vois. Comme si j'avais pas de main. Là, t'es obligé d'y aller? Thank you.
Putain, c'est risqué. Le nouveau réseau. Tu veux dire que là c'est praticable, on peut remonter, mais. D'accord. Et donc là.
en effet, c'est une pellicule, tu vois. Tout à fait, c'est des cailloux hein, de calcaire ouais. qui sont ouais, recouverts. Voilà. C'est du pelliculage qui est sur ouais. les cailloux ou sur l'argile. Tu peux déjà nous dire d'où vient le manganèse. D'où vient le manganèse? Alors, dans ces cas-là, la formation de manganèse, c'est des formations dans une grotte. Il y a différents types de manganèse. Donc, du coup, dans ces cas-là, le manganèse, il se trouve soit dans les argiles, soit dans les sables, soit dans les calcaires, c'est-à-dire les sédiments, soit dissolu dans l'eau. Du coup, on pense, une des théories, c'est que, en effet, c'est l'action bactérienne ou des champignons, c'est-à-dire l'action des microbiologiques, qui fait que cette manganèse, qui est dans, soit dans les sédiments, soit dans l'eau, précipite en forme très variée. D'accord. Ça, c'est le cas de Lascaux. On sait qu'on a beaucoup de représentations qui sont réalisées au manganèse. Exactement. Et la grande question, c'est est-ce que ce manganèse est un manganèse pur, simplement ramassé ou recueilli par l'homme préhistorique, ou est-ce qu'il a été modifié ou raffiné? Alors là, les deux possibilités sont possibles. Bon. Donc, du coup, soit on utilise les manganèse purs, mais normalement, ce qu'on fait dans les cas des grottes ornées, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on les mélangeait avec d'autres agglutinants, ça Bien, ou avec d'autres matériaux pour donner une consistance qui permet la peinture. Donc voilà. Dans les cases de Lascaux, ils sont apparus une accumulation de petites boules de manganèse qui a été mélangée avec de l'argile. Donc ça c'est un dépôt qui a été trouvé au sol, près d'une paroi ornée. Et voilà, maintenant, on essaye de voir... Au fond de la galerie des félins. Ouais, c'est ça. Ah ouais.